Les libéraux avaient promis d'être transparents et de travailler dans l'intérêt de tous les Canadiens. Par contre, on constate avec le dossier d'aérodrome de Saint-Cubert, Carbonne et de Mascouche, le ministre des Transports se satisfait des constatations complètement biaisées et bâclées, une pétition cumulée plus de 1 500 signatures dans une ville où la population est de 1 800.